dans ton sac à main, quel produit de beauté y retrouverait-on et qui te suit partout? Ça serait assez simple, honnêtement, parce que moi, mon sac à main, là, c'est plus comme une sacoche dans l'espèce de gros sac. Je traîne tout là-dedans. Autant des noix, ma bouteille d'eau, des sacs pour mon chien, des biscuits pour mon chien. Donc, dans le produit de beauté, là, j'ai plus comme un petit gloss, un petit baume à lèvres. Je traîne de temps en temps un petit capucelle, mais ça s'arrête pas mal à ça. Parce que c'est assez naturel. Mais je suis assez naturelle, j'en mets pas beaucoup. Donc, à moins que là, je parte vraiment en situation de travail, j'amène toute ma pochette de maquillage là-dedans. Parce que ma sacoche est tellement grande que tout rentre dedans. Fait que c'est soit que j'en ai beaucoup, 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 ou soit que j'ai vraiment pas grand-chose. OK. Qui arrive, est-ce que tu as des produits de beauté? Tu peux absolument pas te passer durant la période chaude. J'ai une peau sensible. Donc, moi, c'est évident que même l'hiver, là, je devrais mettre la crème solaire dans mon visage. J'en mets pas vraiment. J'en mets l'été, c'est indispensable. Donc, j'utilise des produits Yonka que j'adore, autant du nettoyant jusqu'à la crème hydratante. Et ils font une crème pour le visage, genre une 60 là, pour protéger. Puis même moi, quand je mets ça, là, je prends du soleil quand même. Donc ça, c'est essentiel pour moi pendant le temps de l'été, là, de protéger mon visage. Petit baume à lèvres aussi, avec un écran solaire dedans. C'est facile à trouver, puis c'est efficace, puis ça protège. Sinon, lunettes de soleil, ça peut rentrer là-dedans aussi. Je porte la lunette assez souvent. C'est pas une précaution, trop nulle part. Il faut en prendre plus que pas assez parce que, j'ai 28 ans. Là, dernièrement, je me suis fait dire, là, tu commences à être à l'âge, il faut vraiment que tu fasses attention. Fait que la petite cloche, quand elle commence à sonner, de OK, il faut que je protège ma peau pour qu'elle soit la plus belle possible, le plus longtemps possible. Je veux dire, dans le but d'être en santé, on le sait, le soleil, c'est dommageable, pas juste pour un côté esthétique, mais d'un côté santé aussi. Je suis sensible à ça, fait que je fais attention. OK. Puis quel look est-ce que tu vas privilégier? Quel look beauté est-ce que tu vas privilégier pendant l'été? Moi, l'été, surtout en situation de canicule, de grosse chaleur, moi, je frise. Je viens les cheveux là, comme un petit mouton qui a pogné l'eau, tu sais, là. Fait que je priorise la queue cheval d'abord et avant tout, la petite toque là, sur la tête, là, ça, j'adore ça l'été, il n'y a pas de gros brushing là, qui se fait. Look assez naturel, à la base, je suis assez naturelle dans la vie, là, je ne mets vraiment pas beaucoup. Donc l'été, ça ressemble un peu au reste de l'année, cache-cerne, cache-bouton, un petit mascara, waterproof, parce que l'été des fois, hein, il fait chaud puis ça peut couler, un petit gloss, puis je ne mets pas grand-chose. Assez simple. Ce serait quoi vraiment ton produit chouchou? Mon produit chouchou, j'aime beaucoup les produits Yonka. Ça, c'est mes petites crèmes que je tripe dessus. Sinon, j'ai beaucoup de baumes à lèvres. Je mets pas beaucoup de rouge à lèvres, mais les baumes à lèvres. Puis il y en a avec des petites teintes dedans. J'en ai un au smoothie aux fraises, genre. C'est super bon, puis ça sent bon, puis ça goûte bon. Puis en même temps, ça t'hydrate bien, puis c'est pas trop cher. Ça, c'est dans mes coups de cœur. C'est ce que je te dis. Ouais. Parfait. Écoute, un grand merci. Merci.